Bah, je souris toujours, moi je suis élégant, moi. Hein, puis sourire, hop là. Merci beaucoup. C'est pas okay. Allez. Aujourd'hui, nous avons voulu vraiment profiter de cette journée pour mettre en avant le travail qui est effectué par l'ensemble des bénévoles. Pas simplement les bénévoles de l'AS Berwiller Hartmannswiller, mais aujourd'hui, c'est véritablement la fête de tous les jeunes footballeurs. Alors comment est-ce qu'on a voulu mettre en évidence ces jeunes footballeurs? C'était par l'intermédiaire de l'opération Sublime ton tournoi, cette opération qui a été lancée sur les réseaux sociaux et où l'AS Berwiller Hartmannswiller a donc remporté le lot. Donc nous avons apporté toute la logistique, je dirais, du district Alsace de football en mettant en évidence les valeurs défendues par le football, les valeurs de solidarité autour du programme éducatif fédéral. Par rapport aussi aux déchets aussi, le fait de jeter les papiers par terre ou pas, de faire attention à ces choses-là, d'accord ? Donc ça, c'est chaque jour, dans votre quotidien, à l'école, à l'entraînement, il faut penser à ça. D'accord ? Ben, bravo à tous, on va mettre un tampon sur votre passeport. Et on va aller faire l'atelier prochain. Hein. Okay. L'idée, c'est que chaque gamin vienne avec son passeport qu'il a récupéré le matin et fasse tamponner les différents ateliers sur lesquels il passe. À l'issue de la journée, on remettra le trophée de l'équipe éco-citoyenne à l'équipe qui aura validé le plus d'ateliers. Le Bayern de Munich est le club le plus titré en Allemagne. Vrai ou faux ? Vrai ! Vrai ! Vrai ! Vrai ! Non ! Oui ! Allez, Nathan ! Ouais ! Nathan, viens là ! Allez, tu viens ! Wow ! Et grand pour sur le site aujourd'hui, il y a 48 équipes présentes, donc ce qui représente quand même plus de 400-450 gamins. Donc une très belle manifestation et de beaux souvenirs en perspective pour tous ces enfants qui jouent et se font plaisir. On applaudit le FC Sursaï Noir, l'AS Berwiller chasse l'orange.